Bienvenue pour cette émission consacrée aux décideurs de la finance. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Dassault. Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau de Décideurs TV. On va voir avec vous votre vision de la situation économique de notre pays. On va parler de votre groupe et puis on va parler de vous aussi. Donc une émission riche. On commence par justement… Ce qui va le moins bien. Oui, ce qui va le moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre vision du pays actuellement. Vous avez plein de mandats dans beaucoup de société, de structure, un poste d'observateur privilégié. Qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, la situation d'un certain nombre de sociétés est bonne, contrairement à ce qu'on dit. Par contre, l'environnement économico-financier français et européen n'est pas bon. Vous savez, comme moi, quelles en sont les causes. 3 millions de chômeurs, c'est très difficile. On a un souci avec les immigrés, on l'a vu ces derniers temps. On a un souci avec un certain nombre de sociétés qui sont en difficulté, qui sont obligées de licencier. Et elles arrivent toutes au même moment à licencier, donc c'est pas, le timing n'est pas bon. Et puis vous avez le drame de l'euro, les problèmes de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. Et vous dites la situation. Et un pouvoir politique qui arrive, et il faut quand même le reconnaître, au très mauvais moment. Enfin, le gouvernement de M. Hérault qui se donne quand même... du mal n'a pas beaucoup de facilité. Est-ce qu'il prend les bonnes mesures ? Vous avez suivi, comme moi, j'imagine, ce mouvement des pigeons qui en a marre de se faire plumer. Quand on veut aligner les revenus du capital sur ceux du travail, qu'on va prendre 60% aux entrepreneurs et aux investisseurs, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Vous qui êtes d'une famille d'entrepreneurs et d'investisseurs. Écoutez, je ne peux pas vous répondre que c'est bien de plumer ceux qui entreprennent. Ce n'est pas une bonne politique. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut prendre de l'argent là où il y a de l'argent. Et bon, si nous, comme vous dites, ceux qui avons réussi grâce au gouvernement précédent, grâce à la France des années 50, et qui devons aujourd'hui redistribuer une partie de cette richesse, oui, nous le faisons et nous sommes fiers de le faire. Et je le dis, nous sommes fiers d'être Français et nous le resterons. Vous n'êtes pas partant pour Bruxelles, comme d'autres capitaines d'industrie. Il n'y a aucun risque. Aucun risque de ce côté-là, parce que, encore une fois, c'est dans les moments où la France allait bien et où nos affaires ont bien marché. Maintenant, la France va mal, et bien il faut l'aider. Alors, le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on met le cursus. Où est-ce qu'on prend ? Alors, on prend sur le revenu, on prend sur le capital, mais il arrive un moment où c'est insupportable. Alors, je crois que le mauvais dilemme, c'est qu'on confond les riches qui ont eu la chance d'avoir. Des héritiers ? Oui, mais. Ce qu'on appelle les rentiers dans la vulgate. Non, je n'aime pas le terme rentier. Je dirais les héritiers actifs et ceux qui rêvent de devenir riches. Des entrepreneurs. Oui, mais plus que ça, c'est des jeunes qui veulent entreprendre. Et vous savez comme moi que si vous mettez 100 jeunes avec une idée et un projet, sur les 100, il y en a un qui va faire le jackpot, il y en a 9 qui vont réussir et il y en a 90 qui vont échouer. Mais les 100, quand ils sont sur la ligne de départ, ils rêvent tous de devenir riches. Si vous dites aux 100 qui sont sur la ligne de départ, quoi que vous fassiez, on va vous piquer 60%, je veux dire, c'est la révolution. Et si on le dit aux investisseurs, vous mettez des tickets dans plein de sociétés, c'est en direct rôle, ou via Vol Group, oui. Ça vous décourage d'investir si on vous dit on vous prend les 2/3 à l'arrivée ? Non, mais nous, on n'est pas dans cet état d'esprit parce que d'abord, nous, on est des jeunes aussi. On est dans des start-up, on est dans du capital développement, on est dans des fonds de private equity. Et chaque fois qu'on a un jeune, un moins jeune qui est bien, qui a un projet, on investit avec lui. On n'est pas les seuls d'ailleurs à investir. Il y a beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent en France. Heureusement. Non, mais il faut le savoir. Il y a une richesse de la France formidable dans beaucoup de secteurs, pas seulement dans le luxe. on remplit notre mission, mais il faut aussi que le message politique soit un message constructif et pas un message destructif. D'accord. Alors, on va revenir sur votre groupe, le groupe industriel Marcel Dassault, qui, c'est ce que vous me faisiez observer, repose sur 4 piliers, comme la Tour Eiffel. Oui, alors, si on prend ces piliers nord, sud, est, ouest, quels sont-ils ? Marcel Dassault et mon père Serge Dassault ont construit autour de Dassault Aviation, Dassault Systèmes, le groupe Figaro et dernièrement Veolia, donc 4 piliers qui ont fait ce groupe aujourd'hui dont on est si fier, qui n'est pas endetté.
Bon, tout marche pas Ouais, merveilleusement le dernier bien. pilier, Veolia, ça n'a pas été le plus judicieux Ben, la plus judicieuse des diversifications. non, parce que je crois que le timing était très mauvais. C'était une question d'homme, là, hein. Vous avez investi au Ouais. moment où Le Henri projet, Proliot voilà, était le patron du tout à groupe. Vous fait. ne saviez pas, lui non plus, qu'il allait partir pour EDF Tout à et vous fait. pensez que ça a contribué à faire déraper un peu les choses. Vous savez, un bon investissement, je dis un homme ou une femme, un projet, une idée. Veolia avec Proglio, c'est une affaire formidable, qui a des difficultés, qui est endetté, mais on arrive pour ça, justement. Et puis, Proglio s'en va, vous l'avez dit, et il nomme donc le numéro 2, qui est Antoine Frérot. Et là, les marchés sont plus difficiles, les choses vont moins bien. La société annonce dans des conditions qui sont dans des marchés épouvantables, des très mauvaises nouvelles, et l'action, Et voilà, Proglio tombe aurait des fait mieux, cloches. vous pensez, s'il était resté? L'action n'aurait pas connu cette descente aux enfers? Je ne veux pas taper sur Antoine Frérot, mais c'est vrai que celui qui est à l'origine, qui est l'âme d'une affaire, qui porte sa légende, je veux dire, dans la tempête, il tient mieux la barre, c'est normal. Les légendes, c'est important, surtout quand on s'appelle Dassault, on va en reparler. Donc en haut de la tour Eiffel, il y a une holding, hein. C'est comme ça que Oui, vous c'est la tête. illustrez finalement le groupe, c'est la tête, et vous êtes directeur général du groupe délégué, hein. Délégué, oui. Délégué du groupe de cette Industrie. holding. C'est quoi le job dans une holding en fait? Quel est votre quotidien? Eh bien, c'est arrivé tous les matins avec une bonne idée. Chaque matin? Ah bah, si je fais C'est le harassant job, là. si je fais le job, oui, mais et une bonne idée, hein, Ouais. pas une mauvaise. Et puis après, c'est de la creuser. Et puis après, c'est de la présenter. Et après, c'est de convaincre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes de la famille qu'on va sortir le carnet de chèques plus facilement. Il faut convaincre comme si c'était un autre collaborateur. Non, je dirais que, vous savez, il y a toujours les deux faces, hein. La face positive, c'est qu'il y a énormément de choses qui remontent vers nous. Énormément d'opportunités, dans tous les secteurs inimaginables. Faut Et puis, trier. il faut trier. Et puis, il faut trouver. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous apporte qu'il ne faut pas chercher. Et puis, il faut chercher. Et puis, il faut convaincre. Et il faut payer le juste prix. Parce qu'acheter une affaire très chère, ça n'a pas tellement d'intérêt, même si elle est très belle. On vous a donné plusieurs actifs à développer dans l'immobilier, dans le vin et dans l'art plus récemment. Si on dit un mot de ces différents business, on commence par l'immobilier Dassault. Ben, l'immobilière Dassault, elle est née avec Marcel Dassault, développée par Serge Dassault. Elle est née à partir des usines que mon grand-père a construites pour faire des avions. Et elle est née à partir des immeubles que mon grand-père a achetés pour développer ses affaires et développer une activité foncière. Alors, par exemple, le rond-point des Champs-Élysées, c'est Marcel Dassault qui l'achète en 58. Quand son ami Marcel Bessel-Blanchet achète, lui, pour Publicis, Un peu plus haut. l'étoile. Et ils sont presque les deux seuls à travailler sur les Champs-Élysées avec Air France. Et c'est une idée de génie parce qu'aujourd'hui, le monde entier nous envie ce siège social où j'ai la chance de travailler. Et puis, quand mon grand-père épouse ma grand-mère, bah, mon grand-père trouve dans la dot deux, trois immeubles dans le 12e qu'on a conservés jusqu'à très peu de temps et qui ont permis d'être à la base de cette foncière qui est aujourd'hui cotée en bourse et qui est une belle foncière, très peu endettée, encore une fois, Le avec vin, des beaux immeubles. comment ça arrive dans l'escarcelle Château d'Assaut? Château Dassault arrive à côté avec les avions. C'est-à-dire en 53, le Mirage Donc il y a toujours 300. une logique, hein, quelque Ah, part. il y a toujours un fil conducteur. Donc Marcel Dassault sort le Mirage 3. Le monde entier vient à Bordeaux. Le monde entier veut voir l'avion. Et une fois qu'ils ont vu la chaîne, ils se disent, bon, On va boire un vous, coup. on est à Bordeaux, montrez-nous une Ouais. winery, ils disent. Et à ce moment-là, on commence à faire visiter des hops. Et puis, les gens qui ont les châteaux nous appellent en disant, nous envoyez personne. Ils ne connaissent rien, ils n'achètent rien. Ah, mon grand-père dit, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il dit, on va acheter notre vin. Et non seulement on va acheter notre château, mais on va mettre notre nom. Et le château est né en 1955 pour faire visiter à nos clients aéronautiques une winery. Donc c'était une création en fait. C'est un des rares châteaux finalement nés au Avec XXe Rothschild. siècle, hein, avec Rothschild. La comparaison est plutôt sympathique. Ça va, oui, il y a pire. L'art, c'est Arcurial. Une belle aventure, c'est Arcurial, parce que certains ont sorti Alors, des carnets de chèques pour acheter très cher des maisons existantes. Vous l'avez créé, développé. non, je continue Oui, ma continuez. filiation. Jour de France, 58. Mon grand-père disparaît en 86. Mon père ne veut pas continuer Jour de France. Il vend Jour de France. Nous nous retrouvons avec un immeuble de légende vide. Qu'est-ce qu'on fait? On le loue à des Japonais.
Les Japonais font des travaux, très bien, et puis ils s'en vont. Alors on se dit, mais finalement, il faut garder cet immeuble. Si on le loue, on va le perdre, hein, à une marque de luxe, et ils vont le garder 50 ans, un siècle, 2 siècles, on va le perdre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va créer une activité à travers cet immeuble. Et là, la chance, Nicolas Orlovski rachète à L'Oréal la marque Arcurial, vient nous voir en disant, on va faire une maison de vente dans cet immeuble. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a une histoire et qui se sédimente et qui permet de développer des Oui. business nouveaux à chaque Et fois, c'est à nous de des construire branches. cette histoire par rapport à la légende. C'est ça notre challenge. C'est votre conviction d'ailleurs, hein. Vous êtes un fervent, et on comprend pourquoi, défenseur du capitalisme familial, un capitalisme qui a été porté au nu, hein. On disait que c'était des boîtes mieux gérées que d'autres, qui est un petit peu dézingué actuellement par le ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, avec PSA Peugeot Citroën. Comment est-ce que vous vivez ce débat de mise en cause finalement des entreprises gérées par des familles? Bah, écoutez, je crois que quand les socialistes reviennent au pouvoir avec un front de gauche ou avec des écologistes trotskistes, eh bien, il faut une tête de Turc. Donc, En 81, c'était les Villots. Eh bien, en 2012, ce sont les Peugeot. Pourquoi les Peugeot? Parce que c'est un symbole, parce qu'ils ont une holding, parce qu'ils ont magnifiquement réussi. et parce qu'ils sont obligés de licencier pour s'adapter à une nouvelle conjoncture ou une Parce que la évolution du conjoncture marché. automobile est très difficile, parce qu'il faut délocaliser une partie de la fabrication, ce qu'a fait Renault très bien, mais avant, ce que Peugeot n'a pas fait trop tard. Il se retrouve aujourd'hui avec une surcapacité dans l'usine d'Aulnay. Vous remarquerez que les zones d'usine ne bougent pas, hein. Vous voyez le salon de l'auto, vous avez 50 agitateurs d'Aulnay qui ne comprennent pas que la survie de leur industrie, c'est de fermer Aulnay. Ça fait toujours plus mal quand on est directement concerné, mais Oui, mais je crois que les Peugeot que je connais bien et que j'estime beaucoup feront en sorte que personne ne sera lésé dans la fermeture. alors, on va parler du groupe Dassault et du cœur du réacteur, hein, sans jeu de mots, c'est l'aviation, Dassault Aviation, à la fois le Falcon et le Rafale. Bon, il y a une actualité Et Mirage actuellement, 2000. et le Mirage 2000, et on va pas faire tout le Non, catalogue. mais enfin, on a quand même 5 000 avions qui volent Ouais. dans le monde avec notre nom. Je crois qu'on peut être très fier de ceux qui nous ont précédés. Un mot sur l'actualité chaude, sur ce projet de fusion qui n'est qu'un projet pour l'instant, EADS, BAE, British Aerospace. Qu'est-ce que Écoutez, vous cette voyez fusion, arriver? pour moi, c'est dans la logique des projets d'État. C'est-à-dire que vous avez l'État français, l'État anglais et les Allemands. Mais ça a bien marché avec EADS. Oui, mais alors là, le problème, c'est que vous avez des États et des actionnaires, et que vous avez des intérêts qui ne convergent pas forcément. Alors, les Allemands, ils ne sont pas actionnaires. C'est Daimler-Benz. Daimler-Benz, ils ont 15%, mais ils ont 22,5% des droits de vote. Ils veulent vendre la moitié avant la fin de l'année. C'est Oui, mais l'État qui doit ça, les on trouve racheter. toujours Attendez, des deals. attendez. Bon, vous avez les Français, vous avez EADS. Qu'est-ce qu'il y a dans EADS? Il y a M. Lagardère. M. Lagardère, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a qu'une seule idée, c'est de vendre ses actions. Il en a déjà vendu une partie. Bon, et qu'est-ce qu'il dit, M. Lagardère? Il dit, mais c'est pas assez cher. Attendez, vous me faites une parité 60-40, pour moi, c'est 68-32. Bon, Donc, qu'est-ce que vous sous-entendez? attendez, c'est pas fini. Les Allemands, hier, dans leurs discussions, parce qu'ils discutent tous les jours, vous savez qu'ils ont jusqu'au 10 octobre, après ça va être plus compliqué. Les Allemands disent, on veut que le siège social de BAE, de British Aerospace, EADS, soit à Munich. Alors on dit, Ouais. Ils sont attendez, toujours obsédés par ça, la BCE et autres, mais mais c'est on pour leur du dit, long c'est à terme. Toulouse, ça marche très bien. Bon, British Aerospace, c'est quoi British Aerospace? C'est 100% de la défense. C'est 40% du chiffre d'affaires fait par le Pentagone. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que dit M. Monti, l'Italien? Il dit, c'est quoi votre beans là? Non mais attendez, c'est la carpe et le lapin, c'est d'une complication terrible. Encore Et une c'est fois, ça a surtout, une logique d'État, ça n'a et pas une logique industrielle. j'entends ce point, mais c'est surtout un mastodonte qui se retrouverait face à Thalès, Dassault, au point que ça fait sortir d'autres scénarios de mécano, hein. Peut-être pas de carpe et de lapin, mais Moi, on parle de je crois Thalès, que, je Dassault, crois que Safran, Finmecanica. les Anglais ont fait une très très belle, un très beau groupe militaro-industriel, magnifique, qui est rentable. Alors, soit dit en passant, depuis qu'ils l'ont annoncé, l'action British Aerospace perd 10%, l'action EADS, vous avez vu, 15%. Et ils vous ont Donc, attendez, entendu, les attendez, financiers. 15% de EADS, c'est 3 milliards 9, Ah hein. oui. C'est pas rien. Bon. Donc vous pensez que ça ne se fera pas? Vous Écoutez, moi, espérez? oui, d'abord, c'est vrai que pour nous, c'est pas forcément une bonne nouvelle, bien que ce soit une très bonne nouvelle pour les États.
Mais je pense que ce qui est trop compliqué n'est pas bon. Et les intérêts des États ne sont pas forcément les intérêts à la fois de ceux qui travaillent dans le groupe. Demandez, faites un sondage dans le groupe EADS. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent la fusion avec nos amis anglais. Et alors pour Dassault, qu'est-ce que ça suppose? Est-ce que Dassault peut rester l'acteur qu'il est indépendant? Alors ça, c'est un deuxième volet. Je crois que ça sera notre challenge à nous, quatrième génération, troisième et quatrième génération des Dassault. C'est de penser à l'avenir d'une société extraordinaire qui a été fondée par mon grand-père, développée par des hommes remarquables, portée par mon père. Eh bien, c'est d'assurer cette continuité à travers peut-être France Aerospace, j'en sais rien aujourd'hui, mais sûrement il y aura une réflexion, peut-être amenée par l'échec de la fusion ADS De British changement de Aerospace, périmètre. d'un périmètre France Aerospace. En effet, nous sommes actionnaires de Thalès, qui est une affaire magnifiquement menée et restructurée par Monsieur Vigneron. Et vous avez une affaire Safran qui est magnifique, hein, qui fait quand même les plus beaux moteurs civils du monde, hein, En et qui a un effet. carnet de commandes à perpétuité ou presque. Vous avez Zodiac aussi dans le périmètre. Vous avez, si vous voulez, cette grande aventure aéronautique de la France qui a commencé au début du XXe Même si siècle, ça elle se doit vous continue. coûter le contrôle, vous, troisième génération. Vous savez, qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une continuité que d'aller à l'échec? Bon, un petit mot rapide du Rafale. Il y a des choses, il y a du nouveau ou pas sous le soleil? Sous le soleil des Émirats, de l'Inde ou du Brésil Et la Malaisie. et de la Malaisie. Écoutez, on a sorti en 86 le meilleur avion du monde. On Pour a les été Français. français, à 100% français. On a été combattu dans le monde entier par les Américains et par les Anglais. Enfin, le groupe Et ça continue? européen contre nous. Donc, on aura un contrat. On aura deux contrats parce que, vous savez, les meilleurs gagnent toujours. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Un mot du Figaro, parce que vous êtes dans la presse aussi. Ah, ça, c'est l'œuvre de Figaro, mon père, oui. voilà, et qui a pris un virage très conséquent. Première audience web de la presse Oui, on est à 10 française. millions de visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quelles sont les ambitions dans la presse du groupe Dassault? Mais écoutez, vous savez que la presse dans le groupe et dans la famille, c'est presque, on va pas dire C'était mon une ennemi. danseuse, mais c'est plus qu'une Ah non, danseuse, non, c'est pas une là. danse, parce que danseuse, c'est péjoratif. Oui, Non, oui. c'est Non, une mais au passion. départ. C'est une passion. Marcel Dassault, il fait Jour de France, il fait 24 heures. Serge Dassault, il fait le groupe Valmonde, hein, et puis il se dit non, c'est pas assez bien. Il se sépare de Valmonde au bon moment et il prend le Figaro. Et Et prend le Figaro dans des conditions qui ne sont pas faciles. Hein. ouais. Qui était un groupe. La famille Arsan est une famille qui négocie bien. Bon, vous êtes content du Figaro? Écoutez, oui, je dois vous dire, aujourd'hui, alors moi, j'ai posé la question il y a quelques années, je n'aurais peut-être pas répondu aussi positivement, mais aujourd'hui, avec le développement du Figaro.fr, avec l'équipe qui est autour du Figaro.fr, avec les deux animateurs qui sont Marc Feuillet et Alexis Brézet, on a un groupe qui a une visibilité dont le potentiel des lecteurs augmente. Alors évidemment, on va revenir à votre introduction. Actuellement, la publicité, ça ne marche pas très bien pour la presse, hein. Je ne vais pas vous Et le raconter n'importe papier, quoi. ça a un avenir, le papier quotidien, disons. Le papier est le support et la naissance de l'informatique, enfin de la tablette. Si on n'avait pas eu le titre, on n'avait pas eu le succès qu'on a aujourd'hui sur l'iPad. C'est grâce au titre Le Figaro qu'on va réussir l'iPad et qu'on va avoir de plus en plus de lecteurs On sur la pourra abandonner tablette. le papier un jour, selon vous? Moi, on ne sera plus de ce monde. Ah bon, c'est pas pour demain. Enfin, c'est ce qu'on nous souhaite en tout cas. Est-ce que vous êtes ambitieux, Laurent Dassault? Ben, si je ne m'appelais pas Dassault, je ne serais pas ambitieux. Et en vous appelant Laurent Dassault, vous êtes ambitieux comment par rapport à cette chronique qui défraie régulièrement les journaux, alors pas du groupe, mais les autres, l'histoire de la succession. Est-ce que c'est un sujet dont on parle facilement Ben, dans la famille? c'est un sujet qui, quand on en parle dans un mauvais sens, peine beaucoup mon père. On Parce que comprend. mon père a un souci légitime et il veut que le groupe perdure. Et pour que le groupe perdure, il faut que nous quatre, c'est-à-dire ma sœur Marilène, mon frère Thierry, mon frère Olivier et moi, nous ayons un consensus sur un futur. Alors Marilène, je peux vous le dire aujourd'hui, mon frère Thierry et moi, on a un consensus. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Olivier. Bon, 75 contre 25%. Et vous voyez jouer quel rôle dans ce consensus? Est-ce que vous pouvez nous dire
Quelles sont vos ambitions, justement? Ben, si vous voulez, moi je suis numéro 2, c'est-à-dire j'ai une place impossible. Eh bien, je vais faire en sorte que cette place devienne possible. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous viendrez nous raconter la suite. Merci beaucoup, Laurent Dassault, de nous avoir merci accordé reçu. Cette interview. À bientôt. À bientôt.